Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Ren, la maman de Leonardo. Et, et elle va nous réaliser donc un café frappé, c'est ça? Frappé. Un café frappé, donc à sa manière, de manière vraiment très très facile. Alors on y va, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nescafé. Il faut du Nescafé. Ouais. Sugar. Du sucre. Milk. Du lait. And we're ready. Et l'appareil. L'appareil à mixer, c'est ouais. Ça? D'accord. Donc là, on met combien de cuillères? Deux cuillères. On va mettre environ deux cuillères. Sugar. On met du sucre, pareil. Deux cuillères aussi. Donc après, il va nous falloir de l'eau. Combien d'eau environ? Just the half of it. D'accord. Donc on va dire environ 300, c'est ça? I want a little bit less. D'accord. 250 alors. Là, ok. Super. Donc là, c'est de l'eau très glacée, hein. De l'eau fraîche. And then you put it in the machine. Ouais. J'écoute dans une heure. For like 1 minute. Combien? 1 minute. 1 minute, ok. D'accord. Until you have the foam. D'accord. On est obligé d'avoir cette machine pour réaliser la recette? Ceux, ouais. ceux qui veulent... Ouais, c'est bon, vous avez la foam. You can use the handle one. Alors, si vous n'avez pas donc cette machine, vous pouvez prendre le mixeur plongeant, donc la girafe, pour réaliser donc ce café frappé. Donc là, elle va mixer pendant environ 1 minute. Donc là, elle va mettre des glaçons dans le verre. Alors, elle en met ouais, la moitié du verre en glaçon, c'est bien. And then it's ready. Wow, c'est bien mousseux, hein, c'est nickel. Hein. Ouh là, les amis. Miss Fong. Ouh là là. Là, verse le tout dans le verre. Inside the glass. Wow. C'est très facile. Hein. C'est bien mousseux. Hein. And then you have to put the milk. Elle va mettre un petit peu de miel. De miel. Oh les amis, ouh là là, ramenez-nous. Il dit n'importe quoi là. Elle va mettre un petit peu de lait, les amis. Du lait. Oui. Combien? Just a little bit. Ouais. D'accord, on va mettre très léger. Oui. Okay, on va mettre un petit peu de lait, donc très très peu, environ 50 grammes de lait ou 50 millilitres. D'accord, donc là on va le rendre mousseux pour le mettre par-dessus le café frappé. Donc là, ouais. Donc là, elle verse le lait comme ça. Oh là là, les amis. Ça n'a pas débordé ça? Ouh là là, on dirait soufflé, un café soufflé, les amis. Waouh, on a une paille. On va and déguster. Ok. Ouais, j'ai goûté. Ok. Ouh là, j'espère que les pas renversé. Oh là là, les amis, c'est un truc de malade ça. Allez, bismillah. Allez, franchement, les amis, c'est bon, hein. Bravo. Hein. Très très bon, très très frais. C'est un truc de malade, les amis. C'est vraiment super bon les amis, si jamais vous voulez refaire la recette, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Merci Ren pour ce café frappé, c'est rapide à faire apparemment. Et voilà, donc les amis, on est très content de vous avoir proposé cette recette qui est ultra facile. N'oubliez pas de cliquer juste là pour vous abonner, de laisser des gros pouces bleus parce que ça nous aide et ça nous encourage énormément les amis. Et moi je suis content et surtout très très impatient de vous retrouver demain à 11h. Ciao les amis.